Salut les Vierges, bienvenue sur Prenons avec les cartes. On se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2022. Vous êtes les troisièmes, ma foi, pour aborder cet été, ce mois de juillet. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. On va découvrir un petit peu les vibrations avec quelques oracles avant de passer à la partie tarot. Alors, l'oracle de la lunologie nous parle de stabilité affective. Donc, vous avez peut-être vécu certains remous, avoir certains doutes ces derniers temps. Ici, on voit qu'il y a un recentrage, il y a une stabilité émotionnelle qui revient. Donc voilà, si vous avez vécu des difficultés ces derniers temps, voilà, ça va revenir à une forme de normalité, de stabilité, d'apaisement et de conscientisation. Certains d'entre vous auront néanmoins cela à rechercher, c'est-à-dire que ce sera au centre de votre moi de chercher des réponses pour peut-être justement stabiliser une situation qui concerne le relationnel, l'affectif ou l'amoureux. Alors, il y a une forme aussi de devoir peut-être prendre soin de son cœur, d'aller avoir un thérapeute ou de faire par soi-même des soins énergétiques au niveau du chakra du cœur. Alors, la pierre qui peut vous aider en ce mois, donc la pierre qui va ressortir, va nous donner évidemment ses bienfaits, donc cela veut dire que ça va travailler sur une problématique. Alors, la pierre est la Célestie qui nous dit d'apaiser votre mental. Donc voilà, ce sera certainement un mois préoccupant pour un secteur de votre vie et vous allez certainement turbiner, réfléchir beaucoup. Donc, pour vous aider à calmer un petit peu cette effervescence de l'esprit, on vous conseille de porter ou de visualiser l'énergie de la Célestite. Alors, la carte Alors, je ne sais plus, l'oracle Sacred Destiny nous parle d'aller plus loin. Donc, voilà, certains vont prendre la route, certains vont faire une avancée personnelle dans un secteur de leur vie, que ce soit personnel, relationnel, projet ou professionnel. On voit que ça va vous permettre ce mois d'avancer vers un objectif de vie. Alors, l'oracle de l'énergie nous parle d'indécision. Donc cela dit, vous allez quand même être face à un choix, choisir un emploi, choisir une personne, choisir un lieu de vie, quitter quelque chose ou ne pas le quitter. Donc il y aura une forme quand même d'indécision, de questionnement, voilà, à vous faire. Donc je vais quand même recouvrir un petit peu. Je suis un petit peu perturbée parce que j'ai quelqu'un dans le couloir. J'aime jamais parler quand il y a des gens juste dans le couloir. Allez, on va voir un petit peu au niveau de l'indécision sur quoi les vierges auront une indécision. Sur quoi les vierges ont une indécision. Alors. Ah. Alors, peut-être que ce qui vous bloque finalement, c'est l'argent. Peut-être que vous avez un blocage au niveau financier et que vous ne savez pas comment sortir de cet empêtrement, enlisement. Ou alors, finalement, est-ce que c'est finalement quand vous aurez trouvé des solutions au niveau financier que vous aurez l'idée, enfin en tout cas le savoir de comment, vers où aller. Donc par exemple, je prends quoi comme exemple? Une maison. Voilà, vous avez une maison de cœur, voilà, vous avez trouvé deux maisons, vous devez absolument déménager, il n'y a pas le choix. Il y a deux maisons qui sont possibles pour vous. Il y en a une qui vous plaît plus que l'autre, sauf que celle qui vous plaît plus, qui vous appelle vraiment, c'est celle qui coûte plus cher et enfin, pour laquelle vous n'avez pas de crédit. Donc, il y a comme un réarrangement au niveau des finances, peut-être que vous devrez, ou que vous allez devoir, comment dire, réagencer, trouver des solutions. Et je pense qu'ici, voilà, avec la Célestique qui disait calmez votre esprit, ben effectivement, je pense que là, vous allez être préoccupé pour certains d'entre vous par des préoccupations sur le plan financier. Alors, ça peut être aussi lors d'une séparation. Peut-être que des gens sont en séparation et que du coup, il y a des difficultés de ce côté-là. Voilà. Alors, on va découvrir la carte de l'oracle de l'âme intuitive. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai rendu boulot. Le guide. Alors, par contre, ce qui est très très bien, c'est que pour moi, on va vous envoyer quelqu'un pour vous aider dans une étape en ce mois. Donc oui, c'est sûr, vous avez toujours de toute façon vos guides avec vous si vous leur demandez de vous aider dans une problématique, mais l'univers ici peut vous envoyer quelqu'un qui va vous emmener vers le bon chemin. Alors, je vais quand même retirer une carte sur le guide. On va voir par rapport à quoi. Alors, le guide par rapport à quoi?
Vous aurez peut-être vous-même aussi à être le guide de quelqu'un, hein, à mener quelqu'un vers le bon chemin. Ah, liberté et le présent. Donc moi, j'ai une sensation que vous allez devoir quitter quelque chose et que quelqu'un va vous aider. C'est quelque chose qui va s'effectuer pendant ce mois et en fait, cette libération va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux et grâce à l'aide de quelqu'un. Donc si vous êtes indécis, si vous avez des problématiques, n'hésitez vraiment pas à aller parler à quelqu'un de bons conseils ou à écouter en tout cas les bons conseils si ça vibre à l'intérieur de vous parce que cette personne va vraiment pouvoir vous aider à débloquer une situation. Et pour moi, ça va se faire quand même assez vite avec la carte du présent. Je sens quand même des énergies qui vous disent que même s'il y a des blocages encore, la chose va se solutionner quand même assez rapidement. Alors, on va mettre ces cartes ici. On va tout de suite découvrir votre arcane majeur en ce mois, les Vierges. Magnifique, regardez-moi ça, la roue de la fortune. Donc vous changez de cap. Je ne sais pas pourquoi j'entends vous retrouver un équilibre, mais en tout cas, il y a un événement qui va vous faire enfin. Vous savez, quand on dit le karma, bah ici c'est dans le sens karma positif, c'est enfin votre tour. La vie, on est d'accord, tout n'est pas simple, il y aura encore des blocages. Mais là, vous êtes dans des énergies, vous allez sentir que les choses sont en train de bouger, de se débloquer pour vous, et vous aurez probablement également des opportunités inattendues qui vont se manifester. Alors, votre énergie personnelle générale, on va voir un petit peu. Il y en a deux qui ont sauté. Ah bah regardez. Voilà, je comprends mieux pourquoi. Vous avez la roue de la fortune qui est ressortie ici avec la reine de bâton. Donc c'est comme si ici, grâce à un événement, grâce à des énergies que vous sentez beaucoup plus positives, beaucoup plus fluides, vous allez en ce mois vous sentir beaucoup mieux positionné dans votre vie. Vous aurez envie de faire les choses, vous aurez envie de convaincre les gens, vous sentez que les gens ils vous écoutent, que vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Donc ça, vous sentez aussi de saisir les opportunités dans votre vie. Donc ça peut être tout à fait professionnel. Si vous désirez vous lancer en tant qu'indépendant, parce qu'ici j'ai la carte de l'indépendance. Pour moi, il y a eu des problématiques, il y a encore un petit peu des casse-têtes, des problématiques, mais juste dans la tête de savoir comment organiser, comment faire les choses, mais vous voyez le nouveau départ ici. Et ça peut être tout à fait professionnel ou au niveau des projets. On voit que c'est une question d'argent ici. Vous voyez, problématique au niveau de l'argent. Contraintes financières, peut-être que les choix, les décisions que vous allez prendre seront justement les bonnes pour vous permettre maintenant, durant ce mois, de débloquer cette situation par rapport à cela. Alors, en début de mois, les Vierges. Regardez-moi ça. En début de mois, déjà, vous trouvez des solutions. Donc, en début de mois, vous prenez des décisions, vous y voyez clair dans votre situation, ce qui vous permet d'enclencher une avancée dans cette opportunité. En fin de mois. Alors, la tempérance. Ici, il y a des négociations. Je le vois dans le côté que vous êtes déjà beaucoup plus serein, parce que c'est quand même votre énergie. Vous êtes beaucoup plus serein, mais il y a une question, peut-être que vous êtes en négociation avec quelque chose. Alors, je vais voir un petit peu. Pop-pop-pom, parce que j'ai mon autre tarot. La tempérance. Je pense qu'en fin de mois, vous êtes soulagé. En fait, que tout se déroule bien pendant ce mois. Donc, vous voyez les opportunités, enfin les contraintes financières qu'on a eues tout à l'heure. Pour moi, faut pas, on verra bien dans le tirage, mais tracassez pas trop. Alors, sur la tempérance, sur votre énergie en fin de mois. Allez, sur la tempérance, sur vos énergies. Un truc de fou. Roue de fortune. Alors, ici, vous êtes vraiment dans les négociations, dans un équilibre à retrouver dans votre vie. Hein, si c'est par exemple autre chose que des négociations, on voit que voilà, vous devez mettre de l'eau dans votre vin, dans quelque chose, dans un secteur de votre vie, et que là, on voit que ça va vous permettre de le faire grâce à ce que vous avez assimilé, conscientisé durant le mois, déjà depuis le début du mois. Ici, on voit que vous allez tout mettre en œuvre pour que cette roue puisse enfin tourner. Vous allez quand même avoir dans votre énergie. Donc ici, c'est les énergies qui vous entourent. Et dans vos énergies personnelles, vous l'avez deux fois, la roue de la fortune. Donc vraiment un mois chanceux au niveau énergétique pour vous, les Vierges. Ici, alors, qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais un autre message tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Attendez, je vais reprendre ma tempérance en main.
Ici, ah oui, voilà. Si pour certains d'entre vous, il y avait une baisse de vitalité, une baisse de santé, alors je suis pas, voilà, comme toutes, hein, on n'aime pas trop parler de la santé, mais en tout cas, tout ce qui est guérison émotionnelle, physique, fatigue, ici, vous aurez l'opportunité que ça aille mieux, en tout cas. Hein, on va pas parler, je veux pas parler de guérison totale, hein, on va peser ces mots, mais en tout cas, il y a une forme de guérison, d'amélioration au niveau de la santé. Alors, ce qui va être en force, ce qui va vous aider, écoute, vous savez maintenant en fait, vous savez écouter vos émotions, vous savez vers quoi vous voulez aller pour que ça vous apporte plus d'émotions. Hein, c'est pas toujours que au niveau des amours, ça peut donc c'est-à-dire que les vierges par exemple ici qui sont en séparation, on voit que les négociations vont nettement mieux se faire, qu'il y aura une meilleure communication de ce côté-là si vous désirez quitter une situation relationnelle. Alors, pour les autres, pour qui ce n'est pas relationnel, vous voyez aussi, stabilité affective, ça peut être aussi, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous désiriez quitter quelqu'un parce que, voilà, ça n'allait plus, puis que finalement, voilà, il y a une forme de stabilité qui fait que aussi, on s'engueule moins et que du coup, les séparations se passent mieux. Vous voyez ce genre d'énergie. Vous savez aussi maintenant vers quoi vous voulez aller. Donc, si ce n'est pas relationnellement parlant, donc ça peut, mais ça peut être tout à fait un travail qui ne vous épanouissait plus. On ne savait pas vers quoi aller et maintenant on sait vers quoi on veut aller. Alors, ce qui va, donc écoutez vos émotions. Si elles vous guident de partir ou si elles vous guident d'aller vers quelque chose, vous pouvez les écouter maintenant, vous saurez. Ce qui va être en... Alors, un pèlerinage sera intéressant pour certains d'entre vous. Voilà, je le dis quand même. Donc, si vous y songez, voilà, ça ressort aussi dans cette guidance. En challengeant défi, alors l'ermite. Par contre, partir, pèleriner, partir, s'introspecter, oui, mais pas trop tout le temps. Souvent non plus, vous aurez peut-être tendance à trop isoler, à trop rester toute seule. C'est votre carte la Vierge. Et ici, on vous dit peut-être ne reste pas trop tout seul. Voilà, ne reste pas trop tout seul. Voilà. Vous auriez peut-être envie de faire ça et finalement, ce serait pas dans votre intérêt. Alors, je vais voir aussi pourquoi l'ermite se rencontre. Pourquoi l'ermite se rencontre? Pourquoi l'ermite en challenge? Pourquoi l'ermite en challenge? Parce qu'il ne faut pas non plus rester dans le passé. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Déjà, au niveau émotionnel, on vous dit que c'est bien de quitter. Et pour les personnes qui auraient tendance peut-être à rester dans le passé, non, en fait, il faut aller de l'avant. Alors, il y a quelque chose qui vous demande d'être droit, d'y voir clair, de prendre des décisions claires, sans émotion. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le roi d'épée ici qui arrive. Il y a une situation qui demande ici chez vous d'être maîtrisée. Peut-être des choses qu'on garde pour soi. Et ici, je pense qu'on vous demande justement de ne pas garder les choses pour vous, mais qu'il faut s'exprimer. Le lion, lui, il s'exprime, vous voyez? Et là, en contre, on vous dit justement, il ne faut pas garder les choses pour soi, il ne faut pas faire l'ermite, il y aura des choses que vous aurez à exprimer en ce mois. Je vais prendre un petit peu mes cartes. Indécision, ouais. Il faut lâcher, mais voilà, ne restez pas seul. Donc, si dans une situation c'est bloqué, c'est compliqué, là vous devez parler avec des gens, voire même également des. Peut-être changer aussi si vous êtes dans un. Au niveau de la guérison, ce qui peut vous aider, et ça peut représenter aussi la roue sur la tempérance, ici c'est peut-être de changer. Donc, si vous êtes en. Si vous avez des difficultés au niveau d'un thérapeute, peut-être qu'il ne vous convient plus, c'est peut-être d'en changer aussi. Peut-être d'en changer. Mais en tout cas, il faut sortir de votre grotte, il faut sortir de votre caverne, amis vierges. Voilà. Au niveau du travail, alors, c'est ici sans doute qu'il y a un blocage, donc il y a une forme d'attente, de patience, des choses qui ne, pour le coup, comment dire, restent encore un petit peu en sacrifice. Effectivement, donc il peut y avoir une forme de sacrifice, de patience. Alors, comment ça va évoluer ici? Alors, sur le pendu au niveau du travail, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque au niveau du travail? Pourquoi ça bloque?
Ça va au niveau du travail pour les vierges. Il y a quelqu'un qui vous dit pas tout. Alors, soit maintenant ça peut être vous hein, qui quittez un travail ou qui décidez d'entreprendre autre chose sur le plan professionnel, voire de vous installer pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est ce qui vous bloque et qui vous empêche de partir dans un autre travail ou de lancer votre projet. C'est uniquement et purement financier, hein, on l'a vu au début du tirage, parce qu'on voit clairement qu'écouter vos émotions, ça vous aide, mais que d'un autre côté, il faut peut-être changer de conseiller ici. Alors, le pendu, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas à votre connaissance, peut-être que quelqu'un n'est pas honnête avec vous, et qu'en fait, c'est à cause de ça que les choses, elles sont arrêtées si vous attendez peut-être une décision ou un départ. Mais en fait, vous, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui n'attendent que ça. De pouvoir se barrer, je sais pas pourquoi, mais ou en tout cas de moduler quelque chose différemment au sein de leur professionnel, mais vous n'ébruitez pas les choses. Mais bon, vu qu'il y a le pendu, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est pas clair avec vous en fait. Il y a quelqu'un qui est pas honnête avec vous. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, si vous êtes en litige au niveau du professionnel, c'est dans le cadre en fait de quelque chose qui n'a pas été pareil honnête. Hein. Vous vous êtes senti lésé, vous vous êtes senti trahi par quelque chose. Alors on va voir quand même si vers quoi ça évolue. Allez, vers quoi ça évolue après la 7 d'épée sur le plan du CD au niveau professionnel pour les vierges. Ah bah ça évolue bien, vous avez le chariot. Mais alors. Alors ça va évoluer bien et vite et bim, il y a un imprévu là. Enfin la tour, ça va. En fait, ce qui va vous permettre d'avancer, de débloquer la situation, c'est un truc inattendu. C'est un truc inattendu et je pense que là, ça rejoint la roue un petit peu aussi. La roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous devez d'abord débloquer cette situation sur le plan du professionnel. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'a pas été clair avec vous, mais après vous avez la réussite avec le chariot grâce à un truc déterminant en fait qui va débouler les vierges. Au niveau des finances. Au niveau des finances, ça a l'air pas mal. Alors, vous avez peut-être des projets en famille aussi de construire, de rénover. Voilà, maintenant, il y a peut-être aussi l'élaboration d'une société. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont se lancer en tant qu'indépendants. Mais en tout cas, au niveau des richesses, bah, ça a l'air que tout semble pas mal, malgré... Alors, on va voir un peu, parce que c'est vrai qu'il y avait contraintes financières. C'est vrai qu'il y avait contraintes financières. Donc, on va voir un petit peu. Ici, avec le tarot, je vais quand même recouvrir avant de vous dire des bêtises. Donc, on voit que c'est une notion quand même de grosse somme d'argent, d'héritage, de partage, de... On va voir un petit peu sur la 10 de denier. Est-ce que c'est bon pour les vierges sur l'argent? Ouf! Eh ben, on y est. Vous voyez comme quoi. Et là, il y a la justice qui est pas loin. Alors, première carte. Le diable. Donc, on est bien sur des problématiques financières qui peuvent toucher, donc comme je vous le disais, une maison, un héritage, une énorme somme d'argent, un contrat, hein, par exemple, si vous avez un gros contrat à la banque. Voilà, ça c'est aussi, c'est pas que les contraintes financières. On voit effectivement contraintes. Alors oui, contraintes, ça peut être des problèmes, mais contraintes, on pourrait aussi le sous-entendre dans le sens, ben maintenant, je suis obligée de faire un gros prêt en ce mois. Donc entre guillemets, vous êtes lié à votre banque ben, pendant de nombreuses années, à verser tous les mois un certain montant aussi. D'autant plus que, voilà, vous avez la justice. Donc, clairement, la justice peut nous parler de contrat, administratif, de juridique concernant, donc ici, la famille, la maison, une de grosses sommes d'argent. Et clairement, regardez-moi ça, ici, je vois quand même des vierges aussi qui se séparent. Vous avez la justice sur la deux de coupe. Donc là, clairement, il y aura certainement des papiers à faire par rapport à des partages de biens. Amis vierges, et oui, émotionnellement parlant, on voit que bah, vous savez que c'est ça et que c'est un petit peu inévitable. Mais avec la carte en contre en ermite, bah, effectivement, il y a peut-être des vierges qui vivent mal leur célibat, ou en tout cas qui se retrouvent tout d'un coup tout seuls. Au niveau de la famille, justement, on va voir un petit peu. Alors c'est étonnant, donc on verra bien, mais il y a cette notion, enfin, quoi que c'est pas si étonnant que ça, vous avez les enfants. Donc ici, je vois pas dans le sens harmonie. Alors bon, certains oui, mais je vais recouvrir. Mais ici, c'est plutôt cette notion que vous êtes préoccupé
par vos enfants. Alors là, c'est vraiment les enfants pour la famille. Alors quelque chose qui va concerner vos enfants pour les vierges. Ouais, il y a de la tracasserie. Bon, alors oui, bah oui, c'est normal. Donc là, s'il y a des vierges qui sont en mode séparation, bah vous êtes tracassés par rapport à ça. Maintenant, si c'est pas des vierges en mode séparation, c'est juste que vous êtes préoccupés par l'un ou l'autre de vos enfants. Ou alors vous êtes préoccupés peut-être par quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance. Bon, c'est moi l'énergie là qui me revient. Mais vous voyez, et c'est pour ça, stabilité affective, comme quoi il ne faut pas s'arrêter tout de suite au mot. Je pense que ça va être la recherche de stabilité affective, parce qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement parlant, va un petit peu vous chambouler, vous bousculer en ce mois, parce qu'il y a des gros changements, changement de cycle avec la roue de la fortune, qu'il faut apaiser votre esprit, et qu'il y aura, voilà, des difficultés financières, mais que vous allez vraiment devoir trouver quelqu'un pour vous aider là-dedans. Alors, voilà, des tracas par rapport à l'enfant. Alors, vers quoi ça va aller? Pourquoi il y a des tracas par rapport aux enfants, la famille? Et c'est le père ainsi. Bah, en fait, c'est par rapport à comment gérer tout ce qui se passe par rapport aux enfants. Je pense que là, il y a des prises de décision et vous n'aurez peut-être pas la facilité de le faire. Vous allez vous demander comment, pourtant vous allez le faire, vous n'avez pas le choix. Mais par rapport aux enfants, il y a cette notion de devoir gérer, maîtriser une situation. Et là, ça va vous préoccuper pendant ce mois. Alors, oui, il y en a aussi qui se tracassent en fait par rapport à leurs enfants. Par rapport à leur travail. Alors, vous verrez bien, peut-être qu'il y en a ici qui quittent un travail, hein, qui voilà, sur un. Je vous parlais tout à l'heure, il y a la tour, donc pour certains, il y a quand même une histoire qui est un petit peu peut-être difficile, mais qui va vous demander inévitablement de changer de boulot, d'être muté peut-être. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que vous vous sentez bloqué par rapport à cette énergie, qu'on vous l'a fait à l'envers, on vous annonce un truc et que vous allez devoir être muté. Et c'est comme si là, vous allez, pour certains, changer de patron. Et du coup, ben, nouvel employeur, ben, veut dire, ben, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que c'est au niveau de l'argent que ça vous pose un souci et que vous vous tracassez par votre famille? Donc là, j'ai vraiment étendu le truc, mais je vous dis ce qui me vient. Alors, au niveau des amis, les vierges. Bon, c'est pas très sympa non plus, c'est compliqué, donc c'est possible que là, au niveau émotionnel, la coupe est pleine. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a fait à l'envers dans votre entourage amical ou entourage proche. Alors voilà, il semble qu'il y ait quelque chose de difficile, mais vous arrivez à bout de ça. Ça fait des mois que ça dure, voire des années. Vous avez pris sur vous, vous êtes retourné la tête dans tous les sens. Et là, ben, ça se clôture, ça s'arrête parce que pour moi, vous y voyez plus clair maintenant. Alors, les vierges, très clairement aussi, il se peut qu'il y ait, oui, comme je le disais, séparation, rupture, on ne parle plus avec quelqu'un, mais on peut aussi donc se sentir effectivement trahi par un ami. Ici, j'ai aussi cette notion de deuil, hein, qui peut ressortir pour vous. Alors, sur la 10 d'épée ici, pour les vierges, sur l'amitié. On a été trop loin. Alors, on a été trop loin. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais c'est fini. Quelqu'un va revenir pour vous, comment dire, ah, vous complimenter, vous bah, demander pardon, en fait. Va vous demander pardon, mais vous allez dire non. Vous allez dire stop. Pour vous, c'est fini. Pour vous, c'est fini et ça fait partie du passé. Clairement. Et pour moi, ça va se passer en début de mois. Pourquoi je dis ça? Parce que là, derrière, j'avais encore l'as d'épée qui, lui, est en début de mois. Donc voilà, pour moi, la coupe est pleine. Au niveau d'une amitié, c'est fini. On a peut-être déjà tenté plusieurs fois de se réconcilier ou de. Mais là, c'est bon, quoi. On n'en veut plus. Alors, au niveau des amours, les vierges. Au niveau des amours, le chariot. Alors là, il y a peut-être clairement des vierges qui vont changer d'emploi pour aller se rapprocher d'un amour qui peut-être habite plus loin, hein, pour les célibataires qui n'ont pas d'attache ici. Mais peut-être que c'est pour ça que vous aurez des complications pour ceux qui, par exemple, ont bah, l'autre parent qui vit dans la même région. Bah, en fait, vous voulez changer d'emploi pour un amour, mais il y a les enfants au centre. Vous voyez ce genre de truc?
Alors, les amours, déjà clairement cet été. Cet été, l'opportunité d'une rencontre importante. On peut me parler aussi de la rencontre de quelqu'un du signe du cancer, si ça vous parle. Ici aussi, on me parle d'une avancée au niveau des amours. Donc, les couples, on voit que vous avez, les couples pour qui tout va bien, on voit que vous avez des projets. On me parle de voyage ici. On parle de voyage, on parle de déménagement, on parle de mutation professionnelle, d'avancée professionnelle, de projets aussi ensemble. Alors, on va recouvrir ce chariot. Une réussite. Allez, sur le chariot pour les vierges, d'où la stabilité affective. Vous voyez, c'est donc soit ça va beaucoup mieux, soit clairement, si ça n'allait plus, vous allez retrouver une stabilité affective en quittant les énergies mauvaises. Donc, dans tous les cas, votre cœur ira mieux. Donc, en fait, vous vous remettez en route, les vierges, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, vous avez des projets. Vous vous remettez en route. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chariot a une énergie plutôt rapide. Après, il est sorti à l'envers. Donc, j'attendais de voir la suite du tirage. Mais vous vous remettez en route, finalement, bien lentement, enfin, lentement, pas trop vite. Donc, ce chariot est freiné un petit peu par ce cavalier de deniers. Donc, vous voulez faire les choses pour le long terme. Donc, pour moi, vous avez des objectifs de vie ici. On voit que les choses vont bouger. Mais vous allez faire ça bien, une chose après l'autre en fait. Donc ici, voilà, ça se peut tout à fait que ce soit par rapport à un déplacement, un voyage que vous allez faire peut-être aussi à mi-vierge. Si c'est un voyage, je le sens pas loin, je le sens pas loin. Pour les célibataires, ben peut-être qu'effectivement, comme je vous le disais, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui habite aussi à l'étranger, à une certaine distance de vous, hein, au moins de 300-400 km. Cette personne peut vous proposer quelque chose. Ça aussi, parce que c'est pas toujours se diriger, vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un qui peut vous rendre visite. Et cette personne, voilà, elle a envie de prendre son temps aussi. Elle vient vous voir, mais elle veut prendre son temps. Elle va peut-être vous proposer un petit quelque chose à faire ensemble. Alors, l'événement de votre mois, les vierges. Alors, un homme en souffrance. Bon, bah là, clairement, c'est pour ça qu'il y a de l'ermite en contre. Il y a ici un homme qui n'est pas bien. Donc, soit c'est vous, homme vierge, qui êtes en souffrance, qui êtes en doute peut-être de votre foi, de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Et on voit que voilà, vous risqueriez peut-être de passer par une étape un petit peu difficile d'introspection, d'isolement. Maintenant, si vous êtes une énergie féminine, ici, si vous êtes une femme, on voit que peut-être c'est vous-même qui êtes en souffrance par rapport à un homme, mais j'ai le sentiment qu'en fait, c'est plutôt vous sentez un homme en souffrance. Vous sentez un homme en souffrance. Je vais quand même le recouvrir ici. Bon, je vais regarder le dos de deck, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Ici, vous voyez, il y a des tracasseries par rapport à un homme. Il y a un homme qui est en souffrance ici. Il y a un homme qui est en souffrance. Alors. Pourquoi, qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui est. Pourquoi l'homme est en souffrance? Pourquoi l'énergie masculine est en souffrance? C'est peut-être votre homme, hein. Pourquoi l'énergie masculine est en souffrance? Donc un homme de votre entourage, hein, vu que c'est l'événement de votre mois, donc ça vous impacte quand même, hein, c'est quand même pas rien. Pourquoi l'homme est en souffrance? Parce que quelque chose se termine. Bon, ben voilà, là c'est clair et net. Donc comme je vous disais, quelque chose se termine vis-à-vis d'un homme ou pour vous. En tant qu'homme, quelque chose clairement est fini dans sa vie. Donc, si c'est une amitié, ben c'est sûr que c'est pas facile à vivre, hein, ça vous chagrine. Si c'est un couple, ben tout pareil, c'est difficile pour la polarité masculine ici. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui se terminent, mais qui se terminent dans la peine et dans le chagrin pour vous, amis vierges. D'où la nécessité de rechercher une stabilité affective ici ailleurs. Voilà. Ce qui vous bloque, voilà, pour moi, c'est juste cette histoire d'argent, donc qui peut très bien caler justement avec les vierges qui sont en séparation. Mais bon, heureusement, je rappelle toujours, tout le monde n'est pas en séparation non plus. Les vierges, ben, un sacré tirage. Ben, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment un beau redémarrage de vie. Enfin, pour, pas tout le monde, je sais pas. Donc, je voulais dire au mois de juillet déjà. Et puis pour ceux qui effectivement ont quelque chose d'intense qui se passe avec la roue de fortune, eh ben, courage à vous. Vous pouvez le faire. Allez, bisous les vierges. Ciao, ciao.